Salut les amis Bienvenue dans ce nouveau 3 minutes notes, ou plutôt dans ce nouveau 10 minutes note, parce que je colle un 3 minutes notes qui risque d'être un petit peu lent. Euh, J'en avais vaguement parlé la semaine dernière. Euh, en fait, j'ai été un peu chagriné la semaine dernière, enfin euh, je trouvais ça très très injuste en fait, d'un article que j'ai vu euh, dans un blog en fait, où le mec nous a le pagué euh, sur Colt Express où euh, il parlait de gros clichés racistes, sexistes, euh, dans le jeu. Alors c'est quelque chose qui me touche vraiment, parce que, parce que pour moi c'est des sujets qui sont importants, sur lesquels je me pose beaucoup de questions. J'ai bossé un petit peu même avec la WESH sur la, dans la commission diversité, sur essayer de voir un peu comment avoir, euh, avoir euh, bah, plus de représentativité dans les jeux, etc. Et je vais pas vous raconter ma vie, mais c'est un sujet qui me touche, mais c'est pas un argument, Voilà, tout le monde peut dire ça. C'est absolument pas un argument. Par contre, moi c'est quelque chose qui était hyper présent tout au long du développement du jeu, dans ma tête, justement, de pas pas faire ce genre de cliché Et du coup, se faire dire « oui, il y a des clichés racistes, sexistes dans le jeu », je trouve ça... voilà, je pense que c'est pas justifié. Plutôt que de, de, de... Bon, je vais un peu parler de l'article en question, mais euh, j'ai envie de vous parler en même temps, parce que ça, ça n'a pas trop d'intérêt. Euh, j'ai envie de vous parler des personnages, de pourquoi ils sont comme ils sont, et qu'est-ce qu'ils véhiculent pour moi, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, etc. Euh, alors le, la, la, la chose que je peux éventuellement confesser, c'est qu'à la base, en termes de, de représentation, c'est vrai que dans Colt Express, on a mis 4 mecs et 2 nanas. Dans le jeu de base. On a rajouté une nana dans Marche à les prisonniers, euh, et euh, on rajoute euh, encore euh, une nouvelle nana dans De train une mission, un couple entre guillemets de jumeaux avec euh, un petit garçon et une petite fille. Euh, et euh, dans, dans la Big Box, on a rajouté le personnage de Silk, euh, qui est un personnage justement sur lequel on n'a pas voulu se prononcer sur son genre. Donc c'est le premier. Des rare représentation de personnages transgenres dans le jeu de société. Euh, je sais pas que c'est la seule, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est voilà. On, puis on s'est dit, il a un pouvoir qui peut changer, etc. Enfin voilà, on a essayé de d'avoir euh, un personnage avec cette caractéristique-là. Euh, de temps en temps, je vais baisser la tête parce que j'ai mon iPad ici et puis du coup, je regarde je regarde l'article en même temps. Euh, donc voilà, euh, les personnages. En fait, le, le, le gars commence et il dit oui parce que dans Marshall les Prisonnier, euh, ils ont mis euh, mail jaune et puis du coup je me suis rendu compte que euh, mail était chinoise donc elle était jaune et puis du coup Django c'est le personnage qui est noir etc. Euh, alors je viens d'abord sur la couleur des pions. Euh, en fait, pour uh, faut avoir des couleurs différentes de pions dans un jeu pour pouvoir euh, les identifier, ça c'est vraiment un impératif. et Il faut que les, chaque personnage identifie correctement sa couleur. Le problème des couleurs, c'est qu'il n'y en a pas 800 000 qui sont distinguables et qu'à un moment donné, il faut essayer de, de choper tout le spectre, donc d'aller du noir au blanc en passant par le jaune, le vert, le bleu, le rouge, euh, et puis euh, le, le, le bleu clair, le bleu foncé, et essayer de trouver des couleurs qui marchent bien, du marron, du, des, des choses comme ça. Donc au début, Colt Express, on a sorti du jeu, on avait cette couleurs, euh, on les a mis, on était très bien. Euh, et alors là, effectivement, il y a un côté, euh, ben, essayer de faire des personnages un peu monochromes. Du coup, euh, bah, naturellement, on s'est dit euh, bah, le personnage, c'est un perso qui est noir de peau, euh, on va lui faire euh, un veste noir et puis on va mettre le pion noir parce que du coup c'est facile à identifier. Il n'y a rien de, 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 de péjoratif ou de, de discriminant là-dessus, il y a juste de dire bah euh, je vais mettre un personnage avec une couleur qui est sa couleur dominante quand tu le regardes de loin. Doc, on lui a fait les vêtements bleus. Euh, Belle, elle est plutôt dans les roses fuchsia, elle a des cheveux roux. Enfin, voilà, elle a resté dans ces couleurs-là. Tuko, euh, il est en rouge parce qu'il est énervé aussi dans son caractère un peu, tu vois. Donc, il y a des, effectivement, il y a certains clichés de, euh, de caractères qui sont liés aux couleurs. Je reprends ça, Tuco qui est énervé, euh, qui est rouge, euh, et puis énervé, il tire partout, il tire à travers le toit. Voilà. Django, après il y a aussi beaucoup de... de je reviens sur, sur Django aussi qui est noir. Pourquoi Et pourquoi il s'appelle Django Enfin, si les gens n'ont pas vu la ref, euh, j'y peux rien, mais il faut que vous courriez aller voir un des... Pour moi, un des meilleurs films de Tarantino, Django Unchained. Clairement, Django et Doc... Ils sont un peu inspirés de ce, de ce, ce personnage-là, enfin de ces deux personnages-là, et donc euh, le grand noir avec la grande veste noire, etc. Enfin moi je le trouve hyper badass dans Django Unchained et je voulais un personnage qui ressemble un petit peu Doc, le petit gars un peu <laughs> Ghost, euh, Ghost pour moi Ghost c'est Lee Cliff. Dans la parodie de western, Ghost, il ressemble à Levan Cliff, c'est son cara design Et puis, il est blanc. Puis, alors, en principe, Ghost est blanc. Et en fait, Ghost, c'est peut-être le personnage qui a le pouvoir le plus moralement douteux. Puisque est un, il est fourbe, il fait ses coups en douce, euh, euh, par rapport aux autres... Un cliché sexiste, belle, elle joue de ses charmes, mais belle pour moi c'était Jodie Foster dans Maverick, j'étais super fan de Maverick quand j'étais minot, et euh, le personnage de Jodie Foster je le trouvais vraiment excellent, quoi, justement, elle était super maline, elle était super intelligente, elle jouait un peu la bébête pour arriver à entourlouper tout le monde, elle jouait de ses charmes pour arriver à entourlouper tout le monde, et euh, je pense que à l'époque c'était une façon pour les personnages qui sont euh, bah, physiquement un petit peu moins costaud, moins balèzes, je ne vois pas porter une grosse Gatling, euh, bah se servir d'autres atouts pour arriver à, à se brouffer les autres gens, pour arriver à, à gagner au final. Donc, euh, mais c'est absolument pas un personnage passif qui est juste, euh, c'est pas une potiche belle. Elle, 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 c'est presque un des persos les plus puissants du jeu. Euh, donc, c'est pour moi, il n'y a pas de cliché raciste. Sexiste en tout cas sur Belle, ni euh, raciste d'ailleurs non plus, je ne voudrais pas pour comparer le racisme avec Belle, euh, parce que bah, elle, a, elle a son design euh... enfin c'est ça en fait, elle est juste elle est juste maligne et elle joue de ses charmes pour arriver à ses fins, mais dans un monde hyper violent, hyper euh, agressif, bah, le charme est une arme comme une autre, enfin c'est une arme comme un muscle ou comme. Euh... Donc en fait, dans Colt Express, le but c'était de faire des personnages qui étaient très tranchés, très marqués, avec un chara-design fort, et donc effectivement tu vas à fond dans chacun des... des, des, des dans chacune des caractéristiques. Donc belle, tu l'as fait très belle, très voluptueuse, très... parce que tu sais qu'elle va jouer ce rôle-là, en fait. Euh, donc, il n'y a pas de, de, de préjugés ou de, de critères sur qu'est-ce que doit être une femme ou pas être une femme, etc. Non, Belle, elle a ces caractéristiques-là. D'ailleurs, euh, je vais reparler d'une autre femme qui va arriver bientôt, qui est Misty. Misty, elle a un look de catcheuse. Elle, euh, elle, euh, elle a un look de catcheuse, elle habille en bleu, un espèce de bleu nuit et tout. Le car design, c'était de se dire un peu, voilà, c'est. Euh... Ouais, c'est une, une bagarreuse. D'ailleurs, son pouvoir, c'est quand elle prend des balles neutres, elle peut les utiliser comme des coups de poing. Donc, c'est quelqu'un qui va envoyer des mandales toute la partie. Euh, elle est vraiment, elle est vraiment balèze. D'ailleurs, son nom Misty, c'est une petite référence à quand, quand j'ai pitché Misty à Jordi, Je lui dis en fait, je voudrais Mister T en féminin. Du coup, on va l'appeler Misty. Euh, du coup, c'est se transformant en Misty avec un Y. Mais voilà, donc c'est pour le coup, elle, c'est une femme qui est hyper forte physiquement. Euh, ce qui n'empêche pas non plus d'ailleurs d'être joli et d'être euh... enfin voilà mais du coup on n'a pas fait quelqu'un du coup moche parce que euh, forte physiquement non c'est puis d'ailleurs on, on a mis plein de persos dans les dans les otages dans les alors, dans d'autres choses on a essayé de enfin dans d'autres euh, d'autres personnages qui ne sont pas les bandits donc par exemple les otages les fans euh, qui est dans enfin les prisonniers qui sont dans, dans, dans Marche les prisonniers euh, les otages de la diligence il y, y, y a vraiment des, des personnages qui sont très 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 variés alors oui il y a des y a certains clichés il y a l'asiatique qui prend des photos mais dans tous les films de western on voit un asiatique en train de prendre des photos donc le, le photographe dans les otages il a un look un petit peu un petit peu asiatique parce qu'effectivement le jeu de société le but aussi euh, d'un jeu c'est de se coller un petit peu quand même au clichés qui existent dans la littérature, dans l'imaginaire collectif de... pour, pour, pour faire comprendre certains mécanismes du jeu. Dans un jeu on n'est pas dans une démarche euh, revendicative entre guillemets, c'est à dire que un roman, un film, c'est quelque chose qui va prendre du temps de poser un contexte, pour amener quelque chose. Et donc on peut amener une réflexion sur le sexisme, sur le genre, sur le, le racisme, sur tous ces sujets-là. C'est faci enfin, facile à faire. On a le temps pour le faire. Dans un jeu de société, les gens qui jouent, ils veulent jouer. Donc en fait, ils veulent avoir un accès immédiat. Et donc en fait, il faut que le background soit le plus rapidement compréhensible. Et effectivement, et ça je l'ai remarqué, parce que sur nos jeux, euh, ou à chaque fois qu'on a voulu mettre un background compliqué, euh, c'est des jeux entre guillemets qui n'ont pas très bien marché parce que je pense que des gens euh, l'ont pas compris en fait dès qu'il y a plus de trois lignes de background ça fait chier les joueurs euh, qui ont envie de jouer qui n'ont pas envie de d'abord comprendre dans quel univers on se place etc etc puis de jouer non ils ont déjà affaire avec la règle pour comprendre comment ils vont devoir jouer, donc en fait, tout ce qui est background, etc., ça doit leur parler immédiatement. Donc effectivement, dans Colt, on s'inspire des, des, des clichés des films de western. Euh, et puis je vais revenir sur May d'ailleurs, qui est jaune, et pourquoi elle est jaune. Alors May est jaune parce que le shotgun est orange. me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Quand on a fait de chevaux diligence on a mis le shotgun orange. Puis quand on est arrivé avec Marshall et prisonniers, on s'est dit, bah voilà, on va remettre un Marshall. Le problème, c'est qu'on n'avait plus trop de couleurs de dispo, enfin, ça commençait à, enfin, on va remettre mail. Le problème, c'est que euh, les couleurs étaient, eh ben, un nombre limité de couleurs, puis on avait déjà dans la tête de mettre d'autres persos. Et on s'est dit, en fait, à mettre des pions de couleurs différentes, on va juste plus rien voir. Et donc, on s'est dit, les bandits, on va garder la même forme de bandits et ils vont être de couleurs différentes et en fait là où on aurait dû le faire déjà dans le jeu de base mais on s'est dit bah le marshal c'est un homme de loi comme le shotgun bah il va être orange et il va avoir une forme différente donc l'idée c'est de se dire que tous les hommes de loi jusqu'à maintenant jusqu'à jusque là et puis les prochains hommes de loi d'ailleurs vous en verrez dans euh, dans euh, deux trains et une mission euh, les hommes de loi sont toujours orange pourquoi orange ben bah, juste parce que le shotgun on l'avait mis orange et que il restait ça comme couleur on vraiment eu aucune réflexion là-dessus et tous les bandits vont être de couleurs différentes voilà. et donc du coup on s'est dit bah du coup on va prendre un pion jaune et euh, le pion jaune pour un bandit et euh, le marshal on le mettra orange et puis on changera la forme et du coup moi quand j'ai vu un pion jaune j'ai vu un pion jaune et je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie qu'est-ce que j'ai dans mon imaginaire collectif comme perso qui est jaune en fait pour moi, un perso qui est habillé tout en jaune, euh, bah c'est le Kill Bill, le jeu de la mort. Enfin, c'est le jeu de la mort, de Bruce Lee, et euh, du coup, un peu Kill Bill derrière, parce que Kill Bill est clairement inspiré du jeu de la mort. Donc, euh, pour moi, j'ai voulu faire un karatéka ou une karatéka. Du coup, j'ai eu envie de faire une nana, parce qu'il en manquait, dans Colt Express, c'est ce que j'ai dit au début. Et donc je me suis dit, bah voilà, ça va être une nana qui fait des arts martiaux, elle va être habillée avec le costume de Bruce Lee dans le jeu de la mort. Euh, voilà. Et puis du coup, bah on s'est dit, bah qu -ce qu justement, qu'est-ce qu'on a Tiens, le jeu de la mort, Bruce Lee, euh, on n'a pas trop de perso asiatiques bah, on va mettre un perso asiatique, donc avec mettre une nana asiatique habillée comme Bruce Lee, euh, et euh, qui est une acrobate, qui bouge partout, etc. Et donc, du coup, ben, on y a mis un Munchaku dans les. Dans... Parce que voilà, pour moi, c'est ninja, quoi. Le... Le... Enfin, le terme de ninja peut-être pas approprié, mais en tout cas, voilà, Fu, elle saute partout, elle, elle est hyper balèze là-dessus, etc. Euh... Et donc, on a voulu faire une... un personnage comme ça. Puis, du coup, on l'a quand même fait un peu. Euh... Si on part rentrer dans le cliché de Immature man, très grande, très belle, très. Du coup, on a fait une meille qui est un petit peu plus petite, un petit peu plus. Euh... Elle est pas. J'ai envie de dire Plumpy en anglais, mais je sais pas. Un petit, un petit peu plus bouboule. Elle est pas grande, fine, maigre, et lancée, En fait, elle est. Justement, en se disant, bah tiens, on va aussi faire des persos qui sont pas forcément toujours hyper, hyper grand, hyper maigre. Euh, voilà. Donc, il y a ces, ces problématiques là qui sont euh, qui sont venues. Qui sont venu, Là, je regarde un truc. Je suis à 13 minutes. Est-ce que j'ai d'autres choses à raconter là-dessus euh, Je crois que j'ai à peu près parlé de tout ce qu'il a évoqué le gars. Euh, euh, C'est quoi Il me dit que la, la, la boîte, je, je comprends pas. Enfin, la boîte, j'ai deux nanas, deux mecs en gros plan, puis le train. Euh, les nanas derrière le mec, je, je vois pas pourquoi. Euh, je comprends pas. Bon, cette dernière remarque, je, je la comprends pas. Euh, donc voilà, je pense que je vous ai dit plein de trucs. Peut-être que ça vous intéresse pas du tout. En tout cas, pour moi, c'était important de faire cette vidéo pour parler un peu de tout ça, parce que euh, pour moi, c'est super important justement de ne de, de, de pas aller euh, dans, dans ces clichés-là. Je, je fais le, le, les 30 secondes politiques et puis je, je, je passe à autre chose. Je vous dirai au revoir. Je trouve qu'en ce moment, en France, c'est insupportable. Euh, les discriminations qu'il y a euh, et l'accent qui est mis sur euh, discriminer euh, alors on est surtout sur du sur de la discrimination raciste et religieuse euh, c'est juste c'est horrible en fait c'est horrible pour les gens, on tape sur des gens qui ont rien fait euh, qui sont juste là qui souvent en plus sont pauvres, sont en situation difficile etc et juste redire, oh, on leur tape dessus quoi c'est juste débile faut juste ouvrir les yeux il euh, y a des problèmes actuellement, des problèmes de matières premières, d'énergie, de climat. De, voilà, il faudrait parler de ça en fait. Voilà, ça, c'est important. Et, et des discriminations, c'est important d'en parler. Et le blog de ce gars-là, dans l'idée, je, je, oui, c'est bien d'alerter, mais euh, bah, faut le faire sur des sujets. Enfin, euh, il y en a plein des discriminations, il y en a plein des clichés euh, partout. Et du coup, ça me fait bizarre que ton premier article, c'est sur Colt Express, alors que ben, pour moi, je. Alors, je fais peut-être des erreurs. Hein. Je veux dire, je dois avoir mes biais d'hommes blanc hétérosexuels. Je dois les avoir. Et j'en ai bien conscience. Et... Et... Et ça me fait même chier. D'une certaine façon, d'être un homme blanc hétérosexuel, parce que statistiquement, quand je rencontre une minorité, cette minorité, ce qu'on appelle une minorité, hein, parce que les femmes, a priori, c'est pas une minorité, mais en tout cas, quand je rencontre des personnages qui sont en situation d'être discriminés, techniquement, si ces personnes-là réfléchissent un tout petit peu, elles doivent avoir un a priori négatif sur moi, et c'est normal, parce qu'il y a 80% de chances que je sois un gros connard. Donc, moi, je sais que je ne le suis pas, mais l'a priori qui doit être mis sur moi, c'est que je suis un gros connard. Il n'y a pas. C'est normal. Voilà, donc je, je, je me bats contre ça, et du coup, quand on vient qu'on me tape là-dessus, bah, ça me fait un petit peu mal euh, aussi. Mais on s'en fout, hein je veux dire, je vais bien, je ne suis pas en termes de, de, de me plaindre, je dis juste pourquoi j'ai voulu faire ce 3 minutes aux notes-là, et puis aussi parce que je trouvais cool de reparler un peu des, des différents persos euh, qu'on a dans Colt Express. Voilà euh, sur ce, bah, je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau 3 minutes au nôtre qui ne durera pas un quart d'heure cette fois-ci. <laughs> salut, salut